Le mois d'octobre, c'est la période de la transhumance pour les bergers qui élèvent des ovins en alpage. Nous allons suivre un troupeau qui l'a fait toujours à pied, ce qui est devenu assez rare. La plupart le font dans des bétaillères. Là, il y a juste une petite bétaillère derrière un 4x4 pour emmener les brebis qui sont trop faibles pour faire le chemin à pied. Le troupeau va quitter le hameau des Tourès, qui est sur la commune de Châteauneuf-d'Antronne, à 1670 mètres, et ils vont marcher pendant 4 jours pour aller à Entrevaux, derrière Entrevaux même, vers le col de Fény. On est en pleine transhumance. Tu l'as fait tous les ans à pied ? Oui, tous les ans à pied. Et quel est... pourquoi tu l'as fait tous les ans à pied ? Pour... par tradition ou... Oui, la tradition. Et ça fait longtemps que tu es berger ? Oui, ça fait longtemps depuis petit, 15 ans. Ton père était déjà berger ? Oui. Donc tu as repris le métier ? Oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier de berger ? De garder l'élevage, tout, la garde, tout, l'annulage. De contempler les paysages ? Oui. Donc là, il y a combien de bêtes ? J'ai l'impression que le troupeau est plus petit cette année. Il y en a 950. Et les autres années ? 1200. Il y en a un peu moins. Je ne suis pas berger, mais quand même. Bon... il n'y a jamais de dégâts, les brebis ne se blessent pas quand tu transhumes comme ça. Il n'y a jamais de problème avec les voitures. Pas de dégâts. Aucun. Donc Arnaud va emmener son troupeau tout d'abord sur 7 km de piste qui va être par endroits très accidentés et plutôt vertigineuses. Vous allez voir ça avec le drone. Ensuite, il va traverser Guillaume et les gorges de Daluis qui sont aussi très spectaculaires. Là, on peut voir le troupeau qui a déjà fait à peu près 2 km et qui arrive au niveau de Saint-Roch. Vous pouvez voir qu'il y a quand même de la pique sur la gauche. Et ce n'est pas fini. Ce qu'on appelle la transhumance est la migration périodique du bétail bovidé, cervidé, équidé et ovin entre les pâturages d'hiver et les pâturages d'été. Elle a pour objectif l'engraissement du troupeau mais aussi sa reproduction. Elle se pratique sur tous les continents. Dans ce cas-là, c'est la migration vers les pâturages d'été et les pâturages d'hiver puisque nous partons de la montagne. C'est une tradition qui remonte au moins à 4000 ans. Là, nous arrivons aussi à un endroit très spectaculaire qui s'appelle les Trois Rivières. Transhumance est généralement considéré comme un système différent du pastoralisme nomade, où le parcours est irrégulier, où l'intégralité du troupeau se déplace et où tout le groupe social suit les troupeaux. Néanmoins, les pasteurs nomades peuvent aussi suivre des parcours réguliers assimilables à la transhumance. Non, on est parti avant de la montagne parce que
avec les attaques de loups et tout, les bêtes qu'on ne trouve pas dans les bois, c'est pour notre pomme. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir plutôt de l'alpage, quitter plutôt, si on voulait qu'il nous reste un peu encore de bêtes. Et donc cette année, le loup a fait beaucoup de dégâts. Donc 35 qui sont manquantes, ouais. Qu'on a trouvé que les squelettes, ouais. Qui ne sont pas indemnisés, et 15 qui ont été constatés. D'accord. Alors quand elles sont constatées, le parc vous rembourse la brebis, c'est ça? Oui, ça nous rembourse la brebis. Les 15 constats qu'on a fait, ça rembourse ça. Bon, oui, ça fait quand même de la peine parce que tu vois, tu élèves des animaux, c'est pas pour qu'ils se fassent manger. C'est pas pour qu'ils se fassent bouffer les bêtes qu'on élève. Surtout que ça traumatise les autres, j'imagine. Oui, oui. Et ça fait des. Après, ça provoque des avortements et tout. Nous progressons avec le troupeau d'Arnaud sur la route des Tourès. Et nous allons arriver bientôt à un endroit assez joli, c'était le tunnel. Il n'y en a qu'un sur la route, mais on dirait plutôt une grotte qu'un tunnel, vous allez voir. Ici, on peut voir une vue aérienne du troupeau qui arrive vers le tunnel et on peut constater qu'il y a pas mal de précipices, à peu près 400 mètres sous l'eau. Ce tunnel a été fait en 1910, terminé en 1910, et je vais vous montrer une petite photo de l'inauguration en robe d'époque. Voilà, une image rare, l'inauguration du tunnel en 1910 en costume d'époque. En attendant, Arnaud doit y faire passer à peu près 1000 moutons. Et à la sortie, il y a un apic de 400 mètres. Nous entrons donc dans le tunnel de Sochanègre, car il y a une cascade en dessous qui s'appelle comme ça. Et même en voiture, il vaut mieux faire attention à ses rétroviseurs, car ce tunnel ressemble plus à une grotte. À la sortie du tunnel, à droite la falaise, à gauche le précipice. Heureusement, il y a un rail. Voilà une vue aérienne de la route et du troupeau, 500 mètres après le tunnel, vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup d'apics. Il n'y paraît pas, mais cette route est une route départementale et non un chemin.
Il y a différents types de transhumance. La transhumance verticale voit les troupeaux passer de la plaine en hiver à la montagne en été. Cette transhumance s'effectue sur des distances réduites. C'est la principale forme de transhumance en France. La transhumance horizontale voit le troupeau changer de région, profiter d'un climat plus favorable, sans forcément changer d'altitude. Cette transhumance peut se produire sur des distances pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Distingue deux types de transhumance verticale, la transhumance estivale ou la transhumance normale, qui est la montée dans les pâturages d'altitude appelée alpage dans les Alpes francophones, montagne dans le Massif central, estive dans les Pyrénées francophones, chaume dans les Vosges. En Europe, l'estive dure en général de fin mai à mi-octobre. En Afrique de l'Ouest, les troupeaux se dirigent vers le sud pendant la saison sèche et retournent vers le nord pendant la saison humide. Là, nous entamons les deux derniers kilomètres qui vont nous mener à Châteauneuf-d'Entrône par le chemin que nous empruntons. Et vous pouvez constater qu'il est assez spectaculaire et vertigineux. Ce sont des marnes très friables et très glissantes par temps de pluie et il n'y a aucun parapluie. Le troupeau s'engage donc dans ces marnes avec insouciance et il y a même quelques brebis qui vont se risquer à brouter dans le ravin. La question des origines de la transhumance en Provence et en Languedoc mobilise les historiens et les archéologues. Le grand déplacement de troupeaux de la plaine à la montagne avait probablement disparu durant le Haut Moyen-Âge, faute de conditions politiques, organisation territoriale et sécurité des chemins, et économiques, marché pour écouler les produits du troupeau, nécessaires à de telles entreprises. Nous arrivons donc à Châteauneuf-d'Entrône et là notre troupeau va se reposer un petit peu plus bas sur le plateau au lieu dit les tilleuls. Voici le troupeau au tilleul. Le lendemain, le troupeau va descendre jusqu'à Guillaume et coucher au plan et le surlendemain, nous les suivons dans les gorges du Dalus, ici le pont de la Marée. Ce pont qui enjambe le Var est à une hauteur assez vertigineuse et d'ailleurs l'été on y fait du saut à l'élastique. Ce pont et les tunnels qui vont suivre dans les gorges du Dalus ont été construits pour faire venir le tram jusqu'à Guillaume le siècle dernier. Les gorges de Dalus, qui sont très réputées,
et qu'on appelle le petit Colorado Lisso. Là, pour les bergers, la tâche est plus ardue puisque il y a de la circulation automobile et que de temps en temps, il faut faire passer les voitures devant le troupeau, ce qui est assez difficile car le brebis court en même temps que vous courez devant. Quand vous rencontrez le troupeau de face, ça dure moins longtemps car il suffit de le laisser passer et elles vous mettent même un petit coup de polish sur la carrosserie. Au fond des gorges qui sont rouges et assez vertigineuses. Et ici notre troupeau qui emprunte les tunnels du tram et qui progresse dans ce panorama spectaculaire. Il y a de nombreux points de vue dans ces gorges, mais un des plus spectaculaires se trouve là où nous attendons le troupeau. Et vous pouvez voir qu'en effet, les images parlent d'elles-mêmes. Quelques voitures arrêtées pour laisser passer le troupeau qui rentre dans un tunnel. Thank you.
Là, nous sommes à la sortie des gorges avec la fameuse tête de phare que vous voyez à droite. Ici, on peut voir un autre troupeau qui marche à peu près 2 km devant le nôtre. Ce qui prouve bien que nous sommes en pleine période de transhumance. Pour ce soir, les brebis vont coucher à Riese et ensuite le lendemain, départ pour Entrevaux. C'est ce que nous allons suivre. Entrevaux, cité fortifiée par Vauban, qui est le but de notre parcours aujourd'hui avec le troupeau d'Arnaud, qui va traverser la cité fortifiée pour ensuite se rendre vers le col de Féline où sont les alpages d'hiver. Le troupeau qui arrive donc dans cette belle cité qui est un des nombreux sites touristiques de notre belle région. Les brebis vont donc passer devant le pont-levis et la statue de Vauban est tournée à droite pour monter vers le col de Féline. Nous passons un pont avec des arcades et montons vers un endroit où le troupeau va chômer pendant que nous allons pique-niquer avec les bergers et leur poser quelques questions. Voilà, nous sommes sur les hauteurs de la cité médiévale que l'on aperçoit loin et nous allons casser la croûte avec les bergers. Georges, alors, toi tu es le père du berger que je viens d'interviewer. Tu n'es pas le patron, toi? Non, moi je suis l'ouvrier maintenant. On a inversé les rôles. C'est-à-dire que maintenant tu es suffisamment riche pour arrêter, quoi? Ouais, ça c'est sûr. Bon, heureusement que j'arrête, parce que sinon, tu n'as qu'à mettre des moutons si tu veux être riche. Bon, alors, déjà ton fils, il fait le métier de père en fils. Toi, ton père, il le faisait aussi? Aussi, oui. Combien de générations? Quatre générations. Parce qu'il y avait le grand-père. Qui était dans l'élevage aussi. Alors, est-ce que le métier est devenu plus difficile maintenant à cause du loup? Dis-moi un peu. Oui, beaucoup plus difficile. Contrainte, papasserie, le loup, surtout le loup, quoi. Je veux dire, là, si aujourd'hui Arnaud est descendu, c'est un peu à cause du loup aussi. Hier, on avait un collègue qui est descendu, ça a été pareil, quoi. Parce qu'avec les mauvais temps, les intempéries, on a beaucoup plus d'attaques, quoi. Alors, oui, justement, la transhumance, comment ça se passe? Tu fais venir les copains? Ouais, je ne sais pas combien ça fait qu'ils viennent, les collègues, là. Ça fait plus de 10-15 ans. Hein. À la transhumance, peut-être plus, non? Plus de 30 ans. 30 ans, ouais, je ne sais plus, moi. Moi, j'ai attaqué à 11 ans à faire les transhumances. Oui, donc, toi, tu es né dedans, comme Obélix, tu es tombé dans la potion. Voilà, le truc, là, c'est la passion, quoi. Parce que si tu n'as pas la passion dans ce métier-là, il vaut mieux pas le faire, quoi. Il faut aimer les bêtes, quoi. Ce qui fait mal, c'est que quand tu vois ce qui se passe, c'est que tu as des brebis éventrées, tout ça, disparu, tout, tu te lèves pour les élever, tout ça, quoi. Puis tu vois ça partir à... C'est triste, quoi, je veux dire. Est-ce que, malgré le loup, tu envisages de continuer le métier de berger ou... Oui. Ça te plaît, quoi? Moi, ça me plaît trop, juste au bout.
Bon, puis là, en plus, on est au-dessus d'Entrevaux, le paysage est magnifique, c'est super. Oui, là, on est en plein air, en face d'Entrevaux, tout, impeccable. Bon, ben, je te remercie en tout cas.